C'était pour moi une légende, à l'instar des Gabin, à l'instar des Ventura ou des Belmondo. C'était ces grands acteurs-là qui étaient bien plus que des acteurs, qui étaient des vrais stars du cinéma français. Et tout le monde l'aimait ou le détestait pour certaines raisons. Et c'est ça qui fait la grandeur aussi de sa personne, c'est qu'il était... Il était adoré ou parfois même décrié pour ce qu'il était. C'est un monstre du cinéma français, au même titre que Depardieu, Belmondo. Et c'était vraiment un très grand acteur qui a multiplié les rôles, qui était admirable dans Monsieur Klein, qui est très bon dans Le Samouraï, qui est excellent dans le film que je vais aller voir tout à l'heure, c'est-à-dire le Guépard, voilà, j'y arrive. Le Guépard, c'est d'ailleurs, je crois, le seul film où il a eu la Palme d'Or. Pour les gens de ma génération, tu dis, ah non, Alain Delon, c'est juste pas possible. Et après, quand tu vois des films anciens, des années 70, 60, je sais pas, ça commençait, 65, 68, quelque chose comme ça, où il est magistral, quoi, c'est tellement impressionnant. Et en vérité, moi, j'ai l'idée d'un sale type, voilà, quelqu'un plutôt... Voilà, qui va vraiment vers la droite, vers des extrêmes, un peu, voilà, homophobie, etc. C'est super bizarre.